Comme les musulmans, bonjour, bonsoir. Continuons avec le frère MKMI 412 concernant sa vidéo intitulée « Le coraniste est-il un apostat ?» Donc, j'aimerais bien que le frère puisse un peu nous éclairer sur le sujet de l'apostasie pour qu'on puisse un peu se mettre d'accord sur la signification pour nous mettre aussi d'accord sur on va dire le jugement, si jugement doit y avoir. Alors, on l'entend, on va l'écouter pour poursuivre nos réponses par rapport à ces points. Donc, l'erreur qu'ont fait bon nombre de musulmans, c'est de faire des hadiths une seconde loi. D'accord? Le Coran nous dit ce qui est halal et haram. D'accord? Ce qui, je veux dire, n'est pas marqué comme haram dans le Coran, je veux dire, voilà, ne peut pas être proclamé comme haram dans les hadiths. Sinon, ça prouverait que le Coran n'est pas complet en termes de loi. Il faut réfléchir un minimum, s'il vous plaît. D'accord? Alors, Dieu, il te dit, c'est un livre pleinement détaillé. Il te dit un autre verset. Nous n'avons rien omis. Omis, ça veut dire oublié. Nous n'avons rien oublié. Nous n'avons rien omis. Sourate 19, verset 64. 64. Et ton Seigneur n'oublie rien. D'accord? Donc là, le livre, il est clair. Dieu n'a rien oublié dans sa révélation. Ça n'a pas de sens. D'accord? La sunna est un enseignement complémentaire de sagesse. Dans le Coran, Dieu dit, et mon messager vous a appris la sagesse à vous purifier, etc. Vous purifier, c'est-à-dire la propreté. C'est des enseignements complémentaires. Je veux dire complémentaires dans le sens au niveau de la sagesse, de la propreté, pas au niveau de loi, de la loi, ce qui est haram halal, ou de la croyance. D'accord? Ok, donc sur ce point-là, c'est une grave erreur de mettre les hadiths sur un même piédestal que le Coran, de dire voilà le hadith tu le fais pas, tu vas en enfer. Non, si le Coran ne le dit pas, tu n'auras aucun châtiment. penses-tu pas, le frère MK, que lorsque tu dis que le Coran, il est complet, ceci dit, toute personne besoin d'avoir une réponse suffisante pour ses questions, il peut la trouver, cette personne peut trouver ses réponses dans le Coran? Le Coran n'est pas, on va dire, allez, il y a quelqu'un, un Américain, qui a écrit un livre en anglais, je me rappelle, mais vraiment, j'ai oublié son nom, son prénom. The Quran is a book of science, not a book of science. Tu vois le jeu de mots? The Quran, le Coran, est un book, est un livre de science, not science. C'est un livre de signes et pas de science. Donc, le Coran nous donne, enfin, donne aux plus intelligents d'entre nous, parmi nous, des signes, ça veut dire des codes. Il ne donne pas des réponses à tous les sujets, à tous les problèmes. Par exemple, il ne dépose pas, on va dire, il ne donne pas une réponse claire. Sur certaines questions, oui, on va dire des sujets très simples, mais les sujets complexes, eh ben c'est à celui qui a le pouvoir de décoder. La preuve, c'est que depuis l'existence de ce noble Coran, eh ben on a des divergences. Pourquoi il y a des divergences? Parce que les gens, comme vous et moi et d'autres, ne font que suivre leur passion. Ils veulent faire croire à eux-mêmes d'abord, qui sont capables de comprendre le Coran. On peut donner des exemples sur plein de choses qui ne sont pas détaillées dans le Coran, voire qui ne sont même pas prononcées dans le Coran, et que la société actuellement fait face. On a énormément de situations au niveau jurisprudentiel
qui sollicite, qui demande, qui exige à ce qu'il y a des réponses. Mais dans le Coran, autant que tel, il n'y a pas une réponse. Donc, quand tu nous renvoies vers la sagesse, j'ai envie de te poser cette question. Penses-tu une fraction de seconde que la sagesse prophétique sera contre-productive au sens coranique? Est-ce que le prophète, selon toi et selon tes semblables, enfin selon les coranistes que tu défends, parce que tu n'es pas coraniste, je veux dire dans le sens coraniste entièrement, parce que tu prends en considération des récits, surtout lorsque tu fais, j'ai vu deux, trois vidéos, enfin pas entièrement, concernant le sujet de Mehdi. Et Mehdi, selon les coranistes, nulle présence textuelle de ce personnage dans le Coran. Et ça, c'est un autre débat. Alors, je me dirige vers toi et je te dis, penses-tu vraiment que tout prophète et tous les prophètes ont décrété quelque chose en dehors du circuit coranique? C'est à toi de voir. Si tu penses que ça a été le cas, donc là, il y a vraiment un problème de monothéisme chez toi. Alors, je vais essayer de prendre des versets, des dizaines et des dizaines de versets. Je suis en train de les passer devant. Sinon, je peux, t'orienter vers n'importe quel moteur de recherche et tu tapes par exemple Allah et son messager. Je te cite un exemple au hasard. Au hasard. Je vais essayer de jongler avec les fenêtres. Alors, ne savent-ils pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Allah pour y demeurer éternellement, et voilà, pardon. Ne savent-ils pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Allah et à son messager, juste en bas de ta vidéo, aura, pardon, le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et voilà l'immense opprobre. Opprobre. Je regarde pas bien, j'ai pas mes lunettes. Ouais. Donc la récompense. Alors, d'autres versets, il y en a tellement, tellement. Mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'à Allah ainsi que son messager. Selon vous, les coopérateurs avec les pseudo-coranistes et les pseudo-coranistes, les négateurs, pourquoi Allah n'a pas dit, par exemple, ô vous les croyants, suivez qu'Allah, tout seul, uniquement qu'Allah? Pourquoi à chaque fois, je sais, je n'ai pas compté, mais ça dépasse les quarantaines, voire plus, des versets qui vous disent, obéissez à Allah et à son messager. Celui qui combat Allah et son messager. Pourquoi à chaque fois il y a ce rapprochement entre le messager et Allah le messager? Pour quelle raison? Pourquoi il y a cette dualité, cette complémentarité? Pour quelle raison? Posez-vous la question. C'est à vous de répondre. Je peux vous aider si vous voulez. Mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment ça se fait que pour X ou Y raison, vous avez négligé, vous avez éloigné le service, on va dire le rôle du prophète, ou bien encore, avec une autre expression, vous avez, on va dire, voulu faire disparaître le rôle du prophète. Parce que quand Allah dit obéissez à Allah et à son messager, j'ai envie de vous dire, qui vous a enseigné comme quoi cette obéissance, elle doit être uniquement et uniquement au sujet du Coran? Allah, il n'a pas dit obéissez à Allah et à son messager dans la révélation, dans la transmission, ou bien dans le Coran. Et s'il y a marqué dans la langue arabe, je parle selon l'éloquence coranique, selon l'orthographe, selon les règles de la langue arabe qui est claire, et encore beaucoup plus claire que le Coran, ça n'existe pas. Donc, le Coran, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, cette obéissance prophétique, elle n'est pas limitée, ni dans un temps, ni dans un lieu. Ça veut dire, elle est illimitée. Alors moi, je vous pose la question, les négateurs. Et toi, tu dis, en dessous de ta vidéo, tu dis, je vais aider
Dans mon explication, tu vas aider les coranistes parce qu'ils se sentent, ils se trouvent attaqués par les sunnites, voire par, je ne parle pas de leur personne, mais de leur croyance. Ils sont attaqués par les musulmans, sunnites majoritairement, et les chiites. Alors c'est le même combat, ce n'est pas grave. Donc, de quel droit vous avez limité cette obéissance? Qui vous a donné? Visez un verset, donnez-nous un verset si vous pouvez. La moitié du verset, le quart d'un verset. Vous pouvez le faire? Je vous en prie. Alors, dans un autre verset, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il y en a tellement, tellement, mais je ne veux pas tout lire, mais je cherche un tout petit verset. Enfin, ici, il y a marqué les Bédouins, l'arabe. Quoique l'arabe, ce n'est pas vraiment le sens de Bédouin. L'arabe, c'est les personnes qui veulent apparaître comme les Arabes. Ça veut dire qu'ils veulent se montrer clairs dans leur croyance, clairs dans leur éloquence dialectique, clairs dans leur quotidien. Il y a des Arabes, il y a des faux Arabes. Les faux Arabes, on les appelle al-Arab. Ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que ça a été traduit par des Bédouins et ce n'est pas correct à 100%. Mais le sens parfois, dans certains passages, et selon la complexité et la position du mot, elle peut avoir ce sens. Mais le vrai sens, j'ai envie d'ajouter, coraniquement parlant, c'est les noms clairs, c'est les noms arabes. Alors, les Bédouins, on va dire al-Arab, sont plus endurcis dans leur impiété. Et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés. Y a-t-il un point? Non. Il y a quoi? À révéler à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Encore un autre verset. Et nous avons certes envoyé avant toi, donc à toi Mohammed, des messagers, des envoyés plutôt, et leur avons donné des épouses. Hein, ceux qui disent que les envoyés, les prophètes et les messagers ne sont pas des humains, ne sont pas des hommes, on fait rire. Regardez, vous vous présentez comme des pseudo-coranistes. Ben, le Coran vous démonte complètement. Il vous dit, et leur avons donné des épouses. Tiens, des épouses. Épouses, c'est une femme ou c'est quoi? C'est quoi comme créature? C'est à vous de répondre. Hein. Alors, et des descendants. Et il n'appartient pas à un envoyé d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. C'est tout à fait logique. C'est la réponse que tous les musulmans vous disent. Le messager, l'envoyé, tout prophète n'a aucun pouvoir si ce n'est grâce à la volonté d'Allah. Alors, la transmission de tout enseignement prophétique n'est en fait que un suivi, une annexe de tout ce qui a été enseigné à travers la révélation divine. Il n'y a personne qui a proclamé comme quoi le prophète il est indépendant dans son message. Non, personne. Personne. Donc arrêtons de calomnier les musulmans sunnites et chiites et arrêtons de taxer les autres d'avoir donné des puissances au prophète et de lui avoir accordé, on va dire, une divinité identique, voire à côté d'Allah. Non. Le problème, c'est que vous taxez les musulmans d'être des associateurs. C'est terrible hein, comme accusation. Et ça dénote votre esprit takfiriste, j'ai envie de dire. Alors, je termine. Chaque échéance a son terme prescrit. Dans un autre verset, le verset 4 de sourate Ibrahim, et nous n'avons envoyé d'envoyés ou de messagers qu'avec la langue de son peuple, oui, afin de les éclairer. Ok. Allah égare qu'il veut et guide qu'il veut. Donc vous voyez,
Lorsqu'Allah y fait référence à ses envoyés, il sait pertinemment que dans un temps, quelque part sur cette terre, il y aura des pseudo-coranistes. Mais pourquoi Allah associe toujours le prophète ou les prophètes avec sa révélation? Est-ce que votre Dieu est incapable de faire son travail tout seul? J'ai envie de dire, comme un athée? C'est quoi comme Dieu? C'est un manga, apparemment. C'est une personne tout à fait ordinaire. Même un génie peut faire mieux que votre Dieu. Enfin, vous, votre Dieu à vous. Attention, c'est pas Dieu d'Allah, c'est pas Allah du Coran, hein. C'est pas Allah que tous les prophètes ont invité d'autres personnes à l'adorer. C'est le vôtre. Vous l'avez façonné selon votre croyance, selon vos passions. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah, est son messager, son envoyé. Pourquoi dans ce verset, qui est le 51, numéro 51 de Sourate An-Nur, pourquoi Allah il n'a pas dit qu'on les appelle vers Allah, tout simplement? Il est drôlement chouette, votre Dieu, enfin, vous les coranistes. Il sait pas que. Il y aura un caleçon seul qui va taxer les musulmans d'associateurs parce qu'ils ont vu qu'il y a marqué Allah et son messager. Pourquoi Allah? Est-ce que Allah, votre Allah, il a peur tellement qu'il a peur qu'il doit toujours avoir ce mot, son messager, son prophète, son envoyé à côté de nom Allah? Un autre verset, Sourate An-Nur, verset 52, toujours dans la même sourate. Et quiconque obéit à Allah, il y a un coraniste, un chiite, un sunnite, un athée, un laïc, non. À son messager. J'entends au fond de la classe un pseudo-coraniste nous dire, bah, il suffit de juste de suivre Allah. Vous devez juste obéir à Allah. Mohammed, vous ne devez pas l'obéir. Ça ne me suffit pas, comme il l'a dit caleçon seul une fois. Moi, je ne suis pas Mohammed. Je ne le poursuis pas. Je veux dire, je prends pas mon enseignement de Mohammed. Oui, on sait que vous niez Mohammed. Celui qui nie un des messagers, il a nié la parole d'Allah. Alors, je vous percute avec ce verset. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, ou à son envoyé, et plutôt, personnellement, je traduis par envoyé, et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. C'est clair, hein? Ceux qui récoltent le succès, les musulmans qui font confiance à Allah et à son messager, Mohammed, ils ont la béatitude, ils ont la tranquillité, le calme, la sérénité. Mais ceux qui vivent dans les polémiques, qui vont chercher les pouces là où ils ne sont pas, là, ils vont chercher les poux dans les cheveux des gens, ils vont chercher des sujets à droite et à gauche pour essayer de se la jouer intellectuel, de se dire nous défendons Allah Azzawajal, nous défendons le Coran. Ah ben, vous pouvez toujours espérer. Je suis désolé pour cette sonnerie. Je prends juste un comme ça pour le chemin, comme ça je ne tarde pas pour finir cette vidéo. Mais si je prends Sourate Al-Ahzab, donc je me dirige vers vous, les clans, les partis que vous êtes, hein, les groupes que vous êtes, à droite et à gauche, chacun vient de son coup de violon. Lisez plutôt Sourate Al-Ahzab, le verset 31. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, ne lui accorderont deux fois sa récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Là, je me dirige vers les fumeurs de drogue, les alcooliques anonymes, ceux qui se prennent pour des élus, et dont certains lives, je les ai entendus, se considérer comme des messagers, comme des prophètes. Eh oui, c'est un des signes de la fin des temps. Il disait que les prophètes ne sont pas des hommes. Or, ce sujet, ce verset,
il est révélé à l'encontre des épouses du prophète. Ou une, voire deux des épouses du prophète. Vous faites quoi avec ce verset alors? Vous allez l'effacer, vous allez l'éradiquer, vous allez comme j'ai entendu un crétin, je suis désolé, c'est son nom, c'est son prénom, Léon Mousseline, dans un live sur la chaîne de Caleçon Seul, il dit, je me torche le cul, c'est votre français. Et comment on dit en arabe, Naqilul kufri laysa bikafir, celui qui transmet, qui copie-colle une mécréance de quelqu'un, enfin, d'une mécréance prononcée par un mécréant par exemple, ça fait pas de moi un mécréant, je ne suis qu'un facteur, je transmets ce que j'ai entendu. Donc, la vidéo, elle est téléchargée, la vidéo existe sur le net, vous pouvez revenir et retourner vers la vidéo, vous allez entendre, soi-disant, le consommateur de chicha kebab, hein, et kebab chicha, pendant le mois de Ramadan, celui qui se tape des nikens, des bières à l'aube, il vous dit que les deux versets de telle sourate, je me torche le cul avec. Donc déjà, parler comme ça, c'est un mauvais signe. C'est un non-respect à la parole d'Allah. Sincèrement, je vous pose la question, les coranistes. Vous qui considérez ce loin musulman, il est très loin, hein, il est très loin de l'islam, comme il l'a dit une fois un frère Ultimate. Il est loin d'être un musulman. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit je me torche le postérieur avec des versets, je vous pose, je vous conjure, je vous en supplie par respect à votre croyance envers l'unique, envers Allah, gloire à lui. Quelqu'un qui se torche le postérieur avec deux versets, ne fût-ce que la moitié du verset dans lequel il y a des mots sacrés. Parce que pour vous, la révélation est sacrée. Je vous pose la question. Quand vous lui envoyez des likes et des bravos, et vous l'encouragez, et vous riez, vous rigolez, vous l'encouragez à le faire, c'est un signe de respect envers votre créateur ou pas? J'attends quelqu'un d'entre vous qui sort sa tête de sa petite cachette quelque part et qui me dit ce qu'il a à me dire sur un live. Il me dit, tu mens, ça n'existe pas ce truc. Ou bien, même s'il le dit, et alors, vous vous rendez compte? Un conseil, et comme ça je finis la vidéo. Enfin, cette partie, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent après. Un conseil, les pseudo-coraniques, les pseudo-coranistes, vous les négateurs. Si vous laissez des bébêtes prendre vos places, on va dire, et parler au nom du Coran seul, coraniste, soumis, croyant, et vous acceptez ce genre d'aptitude et de style, j'ai envie de dire, c'est que vous n'avez rien compris. Vous ne serez jamais accueillis par les musulmans, de tous bords, voire les autres religieux aussi. Parce que quelqu'un qui se présente comme un croyant, il ne se torche pas le cul, hein, avec des versets coraniques. Vous savez qui a fait ça? Vous savez qui a fait ça? Et qui fait ça? Je ne crois pas que Satan il a fait ça. À moins que vous me ramenez une preuve. Mais ceux qui strimballent et qui touchent du près ou de loin la sorcellerie et la magie noire, ils écrivent le Coran à l'envers, ils l'écrivent avec des excréments et avec du sang dans les toilettes, ils marchent avec des versets dans les pieds. Je vais vous faire, et là je termine, mais vraiment je termine, je suis désolé. Vous avez un accident, hein. Vous avez un cas, mais enfin, j'ai pas envie de le saccager plus, mais vous aurez une vidéo dans laquelle il y a un de vos semblables. Il avoue qu'il lit le Coran dans les toilettes. Vous vous rendez compte à quel niveau, dans quelle situation vous êtes mis? Alors soit
Vous vous arrangez entre vous, soit vous essayez de chacun dans son coin, vous vous isolez, vous méditez sur votre sort et vous essayez d'être moins arrogant. Parce que l'arrogance, elle tue carrément. Merci de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.